Un défilé pédestre majestueux inauguré par les différentes unités de la police républicaine, réglé comme du papier à musique. À leur suite, les forces aériennes. Créées le 1er septembre 1961, elles ont pour mission principale la surveillance et la défense de l'espace aérien. Dans leur traditionnelle tenue blanche immaculée, les forces navales ont fait forte impression. Ce peloton est constitué du personnel féminin employé dans divers services et unités des forces navales. Place à l'armée de terre avec ses différents détachements. L'armée de terre est articulée en 7 unités territoriales, 5 unités d'intervention, 3 unités d'appui et 6 unités de soutien. Son symbole est le porc-épic et sa devise « qui s'y frotte, s'y pique ». Le défilé motorisé a mis en valeur les engins automobiles des forces de défense et de sécurité. Ces véhicules viennent d'être désengagés de la MONUSCO, sous-entendu mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Le bataillon du train est une arme logistique par excellence qui assure le transport et la circulation. Cette parade des différentes composantes de la police républicaine et de l'armée béninoise est l'expression de leur vitalité.